We're gonna do this song. It's called You Waited. You came out of your way. You sat down to speak to me. What amazing grace that you've shown. So patiently. And you waited for me, just for me. Oh, you called out my name, knew my past, covered my shame. This amazing grace you've shown so patiently. Yeah.
control. So patiently you've shown. So patiently. And you waited for me, just for me. Oh, you waited for me, just for me. Avec vous tous. Bon Dieu bénis nous et nous saluer tout frère avec ce nio qui sous ligne là et qui tout sur YouTube. Et nous dire que bon Dieu capable bénir matin en abondance. Nous mettez nous debout pendant que nous pour faire la lecture du psaume 147 pour nous bénir l'Éternel. Je dis à c'est un grand jour et pour l'église les nous compter. Et l'État vient tomber, tout coup, c'est le jour de la Pentecôte. Côté, et l'Esprit Saint te descend pour la première fois et te bat l'Église dans toute force, capacité, pour te prêcher l'Évangile et vivre l'Évangile. En nous, lit le psaume 147 ensemble avec nous-mêmes et puis pour nous. Entrer par la prière. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Ensemble. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel, Sion, loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son foie? Il envoie sa parole
et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Seigneur éternel notre Dieu, nous venons devant matin, nous venons remercier au Seigneur. Merci de ce que nous t'es dormi, nous lever matin, ou ba nous énergie, ou ba nous force, et nous t'es déplacé vin dans Saint-Temple. Et gena nous qui rete devant ligne téléphone, gena nous qui absuive sur YouTube, nous louons l'Éternel. Parce que ou ba nous capacité morale, capacité intellectuelle, capacité nan corps nous, vigueur ou ba nous mouvement matin. C'est pas tout le monde qui levé qui gen mouvement. Mais Seigneur nous voulait dire malgré gen moun qui pas ka faire mouvement que nous connais soit qui nan mitan nous. Mais Seigneur n'a souffri avec eux même tout. Même gens y a souffri dans koyo et nous voulons dire malgré tout cela nous voulons dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et nous voulons dire avec votre serviteur David je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans notre bouche Seigneur merci parce que vous permettez que nous ayons capacité pour nous louer nous pour nous exalter grandeur pour nous dire merci. Nous bénissons au matin. Et ça fait nous remettre service dans nos mains. Pleinement, Seigneur. Aidez-nous, ô Dieu trois fois saint, pour que tout ça que nous va faire pour la gloire de ton Seigneur. Bénis serviteurs et servantes, soit qui dans le temple, soit qui dans l'assemblée, soit qui dans la ligne YouTube, ou bien qui dans la ligne téléphone. Jusqu'aux extrémités de la terre, ça cap coûter nous. Fais ça pour nous. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Car à lui seul, soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. En nous restant debout, bien-aimés frères et sœurs, et avec Worship Team, nous allons chanter un si beau chant. Et après le premier chant, nous te mettons Chita. Nous allons chanter Ton nom soit à jamais béni. Dieu d'amour, merci pour ton don infini. Le Dieu d'amour, l'amour rayonne sur ta face. Librement, tu veux faire grâce. Pour nous, ton cœur a de la place, Dieu d'amour. On nous chante ça gaiement avec le groupe Worship Team.
l'écriture de la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 21, c'est là dans la lecture du matin. Actes chapitre 2, verset 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles des dieux? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disent les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Amen. Today's reading will be from Acts 2, verse 1 to 21. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound, the multitude came together and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native language, Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to the Cyrene,
and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. And all were amazed and perplexed, saying to one another, what does this mean? But others mocking said, they are filled with new wine. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, men of Judea, all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. For these people are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day. But this is what was uttered through the prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. This is the word of the Lord. Que ta parole soit mon appui, que ta parole. La Bible dit, frères et sœurs, dans Romains 8, le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et dans le verset 35, là, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? Ou le péril ou l'épée. Dans le verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Malgré tribulations, problèmes, maladies. Mais puisque nous sommes en Christ, puisque nous soumettons toutes nous-mêmes à Christ, nous sommes plus que vainqueurs. L'Église, nous sommes plus que vainqueurs. Ou même qui a souffert, qui ont douleur, et mais qui t'aime tout avec Christ, nous plus que vainqueurs. Et chanter chante ça avec assurance que bon Dieu a bon la victoire dans toutes circonstances. Never.
Disposons-nous pour la prière. Frères et sœurs, nous pour aller rentrer dans la prière, nous pour aller présenter requête nous par le Seigneur. Et nous croyons que c'est le prophète Osée, le peuple d'Israël qui était le peuple bon Dieu. Et le peuple, ça, il était arrivé dans un moment côté que c'est lui qui recevait la parole pour être capable de partager avec l'autre monde. Mais égoïsme, il était qu'un bel pour eux-mêmes seuls. Et non seulement, il était qu'un bel parole là pour eux-mêmes seuls, mais bon, il devine dévié dans la parole. Et la nation, ça, qui était bon côté, il était joint avec eux pour être capable de servir les idoles. Et c'est dans l'optique ça que bon Dieu te parlé avec le prophète Osée. Te voyons un message par le peuple Israël là. Il te dit dans Osée chapitre 10, le verset 10 à 12, il dit il est temps de chercher l'Éternel. Et si on temps pour nous chercher l'Éternel, c'est qu'on y est là même. Ça fait nous entrer dans la présence du Seigneur pour nous parler avec lui. Nous avons servi un bon Dieu qui above the time. Il ne pas dépend de temps. Parce que il était là avant le temps. C'est lui qui crée le temps. Et temps pas pour bon Dieu. Il crée le pour moi avec vous. Pour nous capables de comprendre. C'est comme une table d'eau. Bon Dieu, son océan. Et chaque monde passe au petit bouquet. Il y a un petit bouquet de l'eau. Mais l'océan a toujours été là. Et ça fait que il est pour le monde nous compte. Pour parole ça. Il est pour le monde nous compte. Et ça fait tant qu'il va nous. Libre pour nous employer tant bien. À nous entrer devant le Seigneur dans la prière. Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons devant au matin pour nous capables, Seigneur, présenter pétition nous devant. Nous sommes Dieu qui remet nous et avec un amour infini. Et c'est l'amour ça nous chantons le plus souvent, amour, amour, insondable et mystère. Nous ne sommes pas capables d'expliquer. Nous ne pouvons pas comprendre comment vous faites remettre nous comme ça. Et Seigneur, pourtant, vous faites provision pour nous. Malgré nos manquements, malgré Seigneur, ça que nous fait qui mal. Car nous sommes capables, Seigneur, à travers le peuple Israël qui s'est fait, peuple ça, faire, ou relé au peuple au prêt, mais ou toujours aimé. Et c'est à nous, ça, Seigneur, qui vous témoigne à nous-mêmes. Qui mettait nous chita là matin. Il y a un amour, cher Seigneur, qui dépasse nous. Un amour, Seigneur, nous pas capable d'expliquer. Et c'est ça qui fait que Seigneur nous réunit avec leurs frères et sœurs. Et ça, y a qui souligne l'entour, suivent nous sur YouTube. Et nous demandons, cher Seigneur, vous capable de bénir pendant qu'il y a tant de paroles, pendant qu'il y a pu, Seigneur, réjouir avec nous dans ce service-là. Nous disons merci parce que c'est bon Dieu nous. Pour te venir Seigneur, pour te capable de sauver nous, pour te capable de battre nous la vie. Et la vie ça, cher Seigneur, qui nous joint en Jésus-Christ, nous pas mérité. Et cher Seigneur, nous venons côté parce que vous te placé nous dans le temps. Nous vivons dans un temps qui est incertain. Nous pas capable de comprendre, Seigneur, une série de bagailles qui cap arriver nous. Nous sommes capables de sortir là, nous n'avons aucune garantie que nous allons retourner. Nous avons regardé dans les nouvelles, nous avons regardé comment les gens sont sortis bien pour nous. Et dans quelques minutes, la vie est terminée. Nous avons une heart attack, nous avons un stroke, nous avons tout le bagage. La vie est si tellement incertaine, nous ne sommes pas capables de compter sur la vie. Mais nous sommes capables de compter sur vous parce que vous êtes bon Dieu nous qui place nous là. Mais avec le temps que vous êtes dans nous, Seigneur, chaque jour, vous êtes dans nous 24 heures de temps. Et dans 24 heures de temps, ça, donc, il n'est pas limité avec les gens qui sont riches, il n'est pas limité avec les gens qui sont pauvres, qui sont savés, qui sont pauvres, eh bien, vous avez 24 heures de temps. Et dans 24 heures de temps, ça, si nous ne pouvons pas finir de dépenser, on ne doit pas faire rien avec lui. Comme ça, tu es capable de faire pile de bagaille dans 24 heures de temps. Mais si tu as choisi pour ne pas faire rien avec lui, eh bien, que tu as l'autre 24 qui est réservé pour vous. Il est impossible pour entrer dans 24 heures de temps
que ou pral bay la parce que nous pas capable gaspiller ça. Nous réserver là pour nous chaque jour. Et c'est dans temps ça que ou te placé nous en 24 heures qui commence par seconde, par minute. Et c'est dans 24 heures de temps ça qui finit avec une responsabilité ou placé dans main nous parce que ou gen pour mande nous rendre compte avec temps qui n'a passé sous terre là. Car lorsque Moïse t'a parlé, il t'a dit que nous, les jours de nos années, les vins réduits à 70 ans. Et on t'a dit pour les plus robustes, à 80 ans. Et nous avons gardé chez le Seigneur, nous remet l'expression américaine, remet répété. Il dit que, alors on m'a dit, à all are you, il dit, moi, j'ai temps. Nous, même système, pas nous, c'est une question de langage. Lorsque on m'a demandé qui l'a joué, ou dit, moi j'ai 40 ans, moi j'ai 25 ans, moi j'ai 50 ans. Et pourtant, si vous avez montré 50 ans, ça vous gagne. Ou pas gagne, parce que nous avons fini de dépenser déjà. Mais chaque jour, Seigneur, ou pas nous. Et non, tant que vous mettez devant nous pour nous capables de jouer, et c'est tant ça que vous prenez de nous compte. Et ça fait que vous dites, nous rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça fait que nous venons devant au matin, Seigneur. Pour nous capables, Seigneur, récupérer le temps et que nous sommes en bas, nous Seigneur. Il y a un pile là-dedans, nous sommes en perdu, nous sommes en gaspillé. Mais Seigneur, ça que nous avons là, nous demandons chaque jour, Seigneur, pour nous capables d'encaisser, pour nous capables de faire des dépôts avec parole, cher Seigneur. Comme ça, parce que lorsque vous demandez nous compte, nous avons des paroles pour nous dire. Ah, Seigneur, vous avez une parabole, vous avez expliqué comment. Terre un homme qui était très fertile et monsieur te dit comme ça que oh qui ça m'ta fait là m'ta craser tout grenier mio m'ta fait au plus grand parce que m'bral dit nan moi ou gen en pile bien et en réserve et puis pour plusieurs années et manger bre et rejouer ou et les pat connaît que si mettre nan nan t'a mandé. Et pendant que c'est fini pour nous ces paroles ça, au 17 minutes là même, ton âme te sera redemandée. Et maintenant, nous te demandons pour nous. Seigneur, et la conclusion passage là, on dit il en est de même. Ça veut dire que tout le monde dans tous les âges, toute fille, tout comme garçon, dans tous les âges qui pensent comme un homme ça, on dit il en est de même. Cela veut dire que Seigneur, nous voulons employer tant que nous nous pour nous capables, Seigneur, servir pour la gloire. Parce que il y a un jour, Seigneur, nous voyons en 40 pour nous, Seigneur, présenter devant nous, ou pour demander nos comptes. Qui ça nous fait avec 24 et 30 ou débat nous? Mais nous avons passé 20 ans, mais nous avons passé 30 ans, mais nous avons dans 50, nous avons dans 70, 75. Qui ça nous fait pendant tout le temps ça, ou pour demander nos comptes? C'est peut-être ça nous vient matin devant, Seigneur. Dans Timoso, tant que vous avez nous, parce que vous avez dit de toute l'éternité, mon choisi pour nous capables de goûter nous avant goût dans l'éternité, pour montrer nous qu'est-ce que ça veut dire l'éternité. Parce que vous avez dit que toute l'éternité, vous créez tout le bagaille, et tout le bagaille, vous avez créé, Seigneur, pas de rien qui était là avant vous, parce que vous êtes là avant tout le bagaille. Et ça fait que, Seigneur, dans tant que vous avez nous voulons, Seigneur, servir avec tant ça. Lorsque vous demandez nous compte, cher Seigneur, pour nous capables. Parler avec vous pour nous capables Seigneur parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme sauveur personnel nous déjà répondre question ça et ça fait que là nous va arriver dans le ciel là aux questions pour t'a poser nous on va ouais dépouvoir les yeux ou petit agneau ça qui est déjà immolé pour nous nous connaît que ou déjà nous déjà répondre question par dans le ciel là nous connaît que il peut y avoir deux catégories de monde. Il y a une catégorie qui vous pral dit volonté yo te faite et une autre catégorie que vous pral dit yo volonté me te faite dans la vie. Seigneur, il y a monde qui choisit Seigneur pour faire ça yo vle. Yo pas reconnaître que Seigneur c'est vous même qui mettez de l'univers, c'est vous même qui c'est contrôler le temps et c'est vous même Seigneur qui bail le temps pour contrôler des saisons. Yo pas connaître ça. Mais un jour Seigneur, yo pral rendre compte. Même Jean-Charles Seigneur, le peuple d'Israël, l'été Seigneur, manqué au
Mais l'amour pour lui ou t'as cherché, au Seigneur, ou t'es dit, il est temps pour nous chercher l'éternel. Seigneur, si il y a un bagage que le monde a besoin qu'on est là, nous connaissons besoin l'argent, nous avons besoin de rade, nous besoin de caille pour nous mettre. Mais ce n'est pas ça qui est plus important. Dans tout ça qui est plus important, c'est chercher l'éternel. Nous avons besoin qu'on est là, Seigneur. C'est nous-mêmes nous de chercher qu'on y a. Parce que nous sommes capables, si dans le temps, l'apôtre Paul, lorsqu'il t'a écrit, et puis ça, vers l'année 60, il te dit, temps près, temps proche, il te dit, comment que, et qu'on y est là, même nous pas besoin de dire, comment temps y est pour nous. Temps, c'est voler, la voler. C'est un jour, nous n'y dormi, nous n'y clévé, nous et moi, nous avons passé, nous et année, nous avons passé. Parce que jour, nous avons volé. Et ça fait, Seigneur, ou dis-nous, c'est pour nous compter jour, nous. Dans le psaume 90, on dit que c'est pour nous bien compter nos jours et pour nous appliquer à la sagesse. Car lorsque nous appliquons tant que nous nous appliquons à la sagesse, nous connaissons que le Seigneur a bien compté tant. Comme le psaume 39 dit nous, le psalmiste dit, Seigneur, fais-moi connaître qui mesure tant que vous mettez pour me vivre. Parce que tant que vous bon moyen, les lâches ont plamé. En pile monde, cher Seigneur, nous qui c'est avant là, nous t'es petit monde, nous t'as couru pied à terre, nous t'as couru passer par là. Mais qu'on y a, Seigneur, mais nous quand arrivé nager, mais nous est petite, mariée petite petite, et puis qu'on y a là, voilà qui c'est aller, nous venons l'autre stade, Seigneur. Et nous n'a songé tout petit bagage qui t'est passé avant hier là. J'ai yo couru, Seigneur. Yo couru et c'est volé à voler. Mais nous demandons, cher Seigneur, dans tant ça que vous réservez pour nous, Seigneur, pendant que nous vivons, nous ne connaissons pas combien nous faisons, mais nous ne connaissons pas combien nous retenons. Ça fait, Seigneur, nous demandons, Seigneur, bah, nous sagesse pour nous capables d'employer tant que nous gagnons, Seigneur. Et si vous prenez décision pour t'arrêter nous à n'importe quel moment, pour nous capables tout prêts avec vous-même. Car, Seigneur, il ne s'agit pas de gêne qui est vieux, mais c'est une question de relation avec vous. Parce que si dans le cimetière, nous apprenons un mètre pour nous être capables de mesurer. Nous pourrions mettre la temps, nous avons toute mesure. Nous avons un petit monde. Nous avons 5 ans. Nous avons 10 ans. Nous avons 20 ans. Nous avons 50. Ça veut dire que nous sommes capables de toute mesure. Et nous sommes capables d'aller à n'importe quel lieu. Et ça fait que nous demandons pour nous capables de préparer nous. Au moins, Seigneur, pour nous capables de gagner dans le bac, nous. Et nous capables de dire avec Christ dans le bac, nous. Non, papa, tempête là. Nous disons merci, cher Seigneur, pour ça que vous faites pour nous, cher Seigneur. Car lorsque nous avons gardé au théâtre écrit, le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Nous demandons, cher Seigneur, pour capable de garder nous. Nous demandons, cher Seigneur, tant ça qui coûte devant nous, pour nous capables de faire tout ça qui nous en pouvoir nous. Parce qu'on va nous temps, on va nous 24 temps chaque jour. Car les bras dépendent de nous. Qui ça nous pourra faire avec 24 temps ça qui nous va nous? Parce qu'on va nous demander nos comptes pour tant ça qui nous va nous. Qui ça nous fait avec lui? Nous demandons, Seigneur, va assister nous dans tout ça qui nous fait. Nous présentons, Seigneur, ça qui est malade devant nous. Il y a un peu de monde dans l'église, là, Seigneur, qui a une douleur. Et spécialement, nous avons Madame Otton qui est malade. Nous avons un pile frais de seuil, Seigneur, qui a douleur dans le pied, ça qui a arthritis, ça qui a, Seigneur, enfin, un pile douleur. Frère Edmond, Madame Edmond, il y a un pile, cher Seigneur, qui est malade. Nous présentons devant, cher Seigneur. Ou même, Seigneur, qui sont Dieu de grâce, ou sont Dieu qui compte consoler, ou sont Dieu qui compte guérir. Car nous connaissons que nous chantons, nous disons que. Bon, toutefois, nous soutenons ça. Douleur capable de nous faire. Mais c'est lorsque le voyage nous va finir, nous ne pouvons pas gagner de l'eau dans les yeux encore. En attendant que Seigneur nous en encore ça, nous demandons un soulagement, Seigneur. Ben, nous avons piqué, Seigneur, qui est capable, Seigneur, aider nous pour nous capables de vivre. Nous voulons vivre pour vous, cher Seigneur. Nous voulons glorifier, non. Mais Seigneur, lorsque la maladie nuit nous, Seigneur, vous connaissez ça parce que vous êtes sous terre, vous êtes connu tout le bagage, ça, vous êtes passé. Et ça fait, cher Seigneur, les nappes doux, les nappes souffrées, ou qu'on est bagaille ça, ou que nous-mêmes. Et ça fait que, Seigneur, ou te ouvre sanctuaire là pour nous, ou de lorsque nous avons problème, lorsque nous avons besoin, vine, portez au bas ou dans la prière, et capable d'aider nous. Frère, c'est bien de me qui devons, cher Seigneur,
Nous demandons Seigneur ça qui gagne enfin yon être cher qui déjà voyagé pour l'éternité. Consolez qu'elle, cher Seigneur, tel que frère Pépé et Seigneur toute famille puis et petite celle là qui tout calé Seigneur. N'a demandé va garder au Père Saint, consolez qu'elle Père Saint. Ah Seigneur, lorsque Lazare est mort et nous connaît que celle yo t'a inquiété, yo te dit Seigneur sous t'es là, frère n'a pas ta mort. Donc ou te dit ou c'est la résurrection et la vie. Mon qui croit en même, même si yo mouri, il a vivre encore. Et Seigneur, nous lisons l'Apocalypse côté que ou dit ou t'es mouri, mais au vivant au siècle des siècles. Et ça fait nos bien-aimés qui déjà devancé nous, nos frères et sœurs qui déjà allés, nous connaît que n'a croyé encore. Car oui, comme Job dit, il connaît que zèle pour le rédempteur là. Oui, nous connaît pour nous voir encore. Ça qui déjà devancé nous connaît nous gagner pour nous voir encore. Mais n'a pas demandé, cher Seigneur, n'a pas consolé que ça. Pendant que yo perdu être cher ça, n'a pas demandé, consolé que ça, cher Seigneur. Car nous pas sans espoir, nous ne pouvons pas rencontrer encore. Assistez-nous et avec nous. Mais l'église nous devons, cher Seigneur. Mes dames, nous devons. Mes jeunes, nous devons, cher Seigneur. Vous connaissez besoin, vous connaissez problème, vous connaissez prêcheur, que vous gagnez, qu'est-ce qui serait absibi, Seigneur. N'a pas demandé, aidez, cher Seigneur. Dans l'école, yo, avec les amis qui y a fréquenté, n'a pas demandé, cher Seigneur, on va protéger, on va garder, yo, Père Saint. Car, vous n'en mettez, cher Seigneur, nous mettons en pile là-dedans, vous êtes parti, vous êtes à l'école, vous êtes dans le collège, vous faites retourner, cher Seigneur, et vous venez retourner dans le pied. Merci, Seigneur, pour grâce. Ça, c'est grâce que vous faites, nous, cher Seigneur. Combien yo qui gantan parti perdit tête yo mais pas nous yo Seigneur ou fait nous grâce ou fait ou mener ou vini Seigneur nan kayo encore et Seigneur mais yo vini là y a chanter pour y a servir ou nous dou merci parce que son Dieu comme ça nous dou merci Seigneur pour miséricorde ou parce que pour petite nous pour gens que regarder yo Seigneur oui Seigneur nous dou merci n'a demandé cher Seigneur va diriger la vie nous cher Seigneur va bénir pasteur Moton Seigneur va qui avec madame Niki qui malade et Seigneur connaît toute famille malade parce que les yon membre dans famille malade cher Seigneur c'est tout qui malade et n'a pas on va garder berger ça on va diriger on va garder prendre soin ni cher Seigneur merci pour maestro nous cher Seigneur qui a joué pour nous merci Seigneur pour Seigneur technicien nous Seigneur merci Seigneur pour worship team merci pour tout ça qu'on fait merci pour leurs frères et sœurs qui te rend koyo vin là gien sot nan travail yannick paret yon rentre nan douche là et puis yo yale yo bain la chair yo habille la chair et yo mené la chair vin chita la tande la parole non nous merci Seigneur d'est ce qu'on fait grâce à pour nos chers Seigneur n'a mande on va toujours kembe nous chers Seigneur dans parole ou toujours kembe nous dans présence ou pour ça que tout ça n'a fait n'a fait pour gloire ou parce que nous connaît que si à n'importe quel moment sou ta rele nous pour nous prêt pour nous aller joindre non pas prier au Seigneur tel que nous bon nous prions et nous demandons toute grâce ça. C'est dans nos petits tout Jésus-Christ lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Vous méritez adoration, Seigneur. Vous merveilleux.
ou mérite tout l'orange qui n'en qu'est moi pour ça ou fait pour moi déjà et pour ça ou a fait toujours. Est-ce que le Seigneur mérite tout l'orange qui n'en font cœur matin? Lorsque nous considérons ça le fait pour nous déjà et ça l'a continué à faire pour nous, il mérite tout l'orange qui n'en font cœur nous. Nous saluons chaque bien-aimé qui est sur la ligne téléphonique ou bien qui est sur YouTube et ou même qui est là, nous assemblés avec nous. Nous comptons en ce grand jour, côté que l'Église a célébré la Pentecôte, qui est 50 jours après la résurrection du Saint-Esprit, qui est venu et l'Église de Jésus-Christ qui a pris naissance. Donc nous disons Seigneur merci pour grâce à. Inclinez-vous pendant que nous allons recueillir les offrandes et les dîmes de l'Assemblée. Notre Seigneur, notre Dieu, Dieu de toutes les grâces, nous venons de chanter, Seigneur, ou mériter toute l'orange qui n'en font cœur nous, pour ça qu'on fait pour nous et ça qu'on va continuer à faire pour nous. Oui, Seigneur, nous voulons louer pour fidélité envers nous, côté que mon Dieu te permette à ce que nous passions une très bonne semaine sous ta divine protection. Ou te ban nous force et courage pour que nous t'aille travail, Seigneur, pour que nous t'es capable de gagner le pain quotidien. Mère, en obéissance à ta parole qui nous dit de ne pas nous présenter devant toi avec les mains vides. Mais chaque bien-aimé, Seigneur, qui dans moment ça, Seigneur, qui enveloppe 10 millions de mains, ou dis-moi ce qu'a fait le tout avec l'Église là. N'a pas au papa qu'on va bénir, Seigneur, offrant ça pour nous. Et nous-mêmes, Seigneur, qui va gagner pour nous utiliser, bah nous la sagesse nécessaire, afin qu'on soit capable d'utiliser pour l'avancement de ton œuvre. C'est ainsi que nous t'en prions. Au nom de Jésus-Christ Sauveur, nous même qu'à vivre, qu'à prier, pour toujours et pour toujours. Amen et amen. Yon, l'autre fois encore, nous saluer chaque bien-aimé nous yon, et nous comptons pour que nous gagnions avec nous, matin encore. M'te pensé après moun mwete wè la samedi que matin an, nous t'a tout dit que officiellement l'église a ouvert tout bon vrai pas vrai. Donc il y a encore en pile chaise qui était vide et ou même cap suivre nous sur ligne téléphonique là ou bien qui sur YouTube n'a dou qu'on pas besoin mandé si vous venez retourner venir prendre place encore pour capable vivre encore ensemble pour capable adorer ensemble pour nous capables fraterniser nous ensemble, pour nous capables bailler accolade nous ensemble. Si vous êtes invité ou même qui peut prendre un vaccin, à le prendre. N'a pas toutes les questions que vous demandez pour nous prendre, mais il est temps à ce que nous retournions dans la place là, temple là en vie. Et qu'en plus, bien aimé là, que nous parlons de bien longtemps, nous sommes contents. Ouais, donc, au vrai service, nous aurions été même gens. Chaque matin de 6h à 6h30, nous avons une dévotion matinale de lundi à samedi. Et nous bénis lorsque nous commençons la journée avec le Seigneur là. Nous demandons la protection et la sécurité. Et au cours de la semaine, le mardi de 7h jusqu'à 9h, nous avons une prière et étude. Les jeudis de 7h à 8h, 8h15, nous avons une prière. Le dimanche matin, de 9h30 à 10h30, nous gagnons l'école dominicale et service d'adoration. Nous commençons à 10h15 pour 11h30. Donc, dimanche prochain, nous attendons plus bien-aimés qui sont capables de venir là dans le temple pour adorer le Seigneur ensemble avec nous. En samedi, 5 juin, nous avons une réunion avec tout le monde qui était dans la classe de baptême et tout le monde qui était baptisé. Samedi 5 juin, nous avons un meeting à voir sur Zoom. Donc, c'est Robert qui a préparé ça pour nous. Et il a fait moun joindre le code pour nous entrer dans la réunion ça à tout le monde qui est dans la classe de baptême et tout le monde qui est arrivé baptisé. Réunion ça 5 juin. Nous avons fait ça, s'il vous plaît. On fait ça. Afin que dans le mois de juillet, nous sommes capables de faire baptême nous. Également, il y a une good news tout. Gagné l'administration de Joe Biden qui renouvelé TPS là pour frais actionnaire pour l'autre 18 mois. Donc nous dit Seigneur merci, nous t'a prié pour ça. Donc ça arrive fait. Également provision que ça a gagné, c'est que tout le monde qui dans pays a pour arriver jusqu'à 21 mai 2021 là, il est capable d'appliquer tout.
Donc sou kon zanmi ou on famou ki te la ki rete dil li kapab aplike pou ti piyes la tou. Et pon grâce frère Maxime yo. Yeah, grand pile frère nou kap soufri. Donc on fè nouvèl la. Mache afin que bien-aimé nou yo, yo kapab jwenn un ti morso de papier, pou kapab travay. Mwen kwese tout anons ke nou genyen. On ap kontinye priye pou malade nou yo. Toujou kontinye eleve la fami François dans la prière, pasteur Morton, c'est Maud et tout autre bien-aimé qui malade. Également prier pour la sœur Marie-Laude que bon Dieu capable visiter lui de façon spéciale. Donc sans que ne pas prendre en pile temps, n'a pas cette place là à notre bien-aimé frère, le pasteur Guy Désir dans le message de la parole de Dieu. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu bénis-nous. Même si nous pas en pile là matin mais que moun ki sou ligne là avec moun ki sou YouTube yo tande voix nous bien fort. Brothers and sisters, may the peace and grace of God be with you all. Nous bénissons Seigneur matin pour opportunité le ba nous d'est-ce que nous capable là encore pour nous parler de parole bon Dieu. We bless the Lord's name for this opportunity that we have once again to come here and talk about his word. Et matin n'a continué série nous qui sous Abraham. And this morning we're going to continue our series on Abraham. Et nous voulons bagarre de façon spéciale dans Genèse chapitre 14 là. And this morning we're going to be paying attention to something special in Genesis chapter 14. Et si vous focus en pile, m'pa prend en pile temps pour moi prêcher parce que moi mais comme si synthétiser message là. And if we're in tune with the message and if we're participating, I won't take long because I like really getting deep into my message. Et égal, en nous prêter attention par la grâce de Dieu, en nous faire ça pour nous capables et ouais, message là, et tant des messages là et comprendre message là. So let's all pay attention together so that by the grace of God we can hear this message and understand this message. Dans Genèse chapitre 14 là, in Genesis chapter 14, et nous capables ouvrir Bible nous et nous capables considérer. Et avec moi-même, depuis le verset 1er, 2, je connais le pasteur Claude qui a parlé de combat que Abraham a livré contre les rois. And if we open up our Bibles, even from the first verse, we can see in Genesis 14 that it's talking about, as Reverend Claude spoke about before, the combat that Abraham had to go through to liberate Lot. Yeah, et il a parlé nous de Nathan Amraphel. Wa de Chinéa, d'Ajok, etc. Te gen guerre Abira, le roi de Sodome, Abisha, verset 2 a dit nous, roi de Gomor, Skineab, roi d'Adma, etc. Te vin gen on la guerre qui te pété dans zone ça. And from what we understand, we know that King Amraphel and King Birsha of Gomorrah, they together had been having war with each other. Et dans la guerre pété dans zone ça et surtout dans zone Sodome et Gomorrah là côté l'eau t'est choisi ou songe l'eau t'est choisi toute belle plaine yo et les t'ai gain bataille entre serviteur yo avec serviteur Abraham yo. And this was in the same land, this war was raging in the same land that Lot had chosen for himself after him and Abraham had the discussion of where they would settle. And then la Bible dit nous que yo t'ai même avancé ouais ça. Et yo te pran wa Sodom lan et wa Gomor la, yo te rend yo captif et parmi lesquels yo tout passé men pran l'eau qui t'a vive à Sodom. And within this war they had taken into captivity Bera the king of Sodom and Birsha the king of Gomorrah, and with these people they also had captured Lot. Et la Bible dit nous dans verset 11 dans chapitre 14 là, on allait avec moi on ouvre Bible il dit les vainqueurs envers chapitre 14, verset 11, les vainqueurs envers toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. In Genesis 14, verses 11, it says, then they took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their provisions and went their way. Et yo dit nous tout, yo enlevé tout avec bien l'eau, petit frère Abraham, qui tape vive dans Sodome, et yo allé. And in verse 12, it continues with, they also took Lot, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. Et la Bible dit nous dans verset 14 là, et gen yon moun ki courit chapé. La Bible dit un fuyard, un moun ki
faufile l'école pendant la bataille a fait là, li boum li sauvé. Et puis il courit pour nouvelle là ba Abraham. And verse 13 continues saying that there was one that departed and had escaped and told Abraham what was going on. Et les li wè ça, li pot nouvelle là ba Abraham et dans verset 14 là, yo dit nous dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il ama 318 de ses plus braves serviteurs. And verse 14 says, now when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his 318 chained servants who were born in his own house and went in pursuit as far as Dan. Et la Bible et verset 15 dit nous Abraham fait stratégie de guerre lui, il divisait sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et puis yo bat moun sa yo et yo ramené toute richesse verset 16 et yo ramené l'eau frère lui avec bien lio ainsi que madame l'eau avec tout peuple. And verse 15, it continues. He divided his forces against them by night, and he and his servants attacked them and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus. Moi fait rappel ça pour nous montrer que Abraham était allé dans la guerre et il est sorti victorieux. And I tell you this story to emphasize to you that Abraham had went into war and he came out of it victorious. C'est un épisode dans la Bible tout qui capable de faire nous rappeler nous que comme chrétien qui dans la foi. Qui dans la foi nous toujours dans la guerre tout et n'a combat et nous en pile fois bon Dieu ba nous victoire. And this is a clear analogy that sometimes us as Christians we're in many battles, but if we have faith we know that God can give us the victory. Et deuxième bagage nous dans verset 17 là yo dit les Abraham fut revenu vainqueur de Kedor la Omer et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. And in verse 17 it says, and the king of Sodom went out to meet him at the valley of Chavé, that is the king's valley, after his return from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him. Et la Bible dit nous, les yo sorti dans la vallée du roi, dans rencontre Abraham, et puis yo dit nous, Melchisedek, verset 18, souligne ça, Melchisedek, roi de Salem. And it continues in verse 18 saying, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Lipote pain, lipote du vin. Pas oublier ça, non, lipote pain, lipote du vin, qui sont gros symboles. And don't forget this, this is a big symbol throughout the Bible. He brought out bread and wine. Et puis, parce qu'il était sacrificateur. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et puis, il dit nous dans verset 19, qui ça le fait? Il bénit Abraham. He was the priest of the Most High, and in verse 19 it continues saying he blessed Abraham. Et puis il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. And he says blessed be Abraham, the God of the Most High, possessor of heaven and earth. Et puis il dit dans verset 21, il dit béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. And blessed be the God Most High who has delivered your enemies into your hand. En d'autres termes, nous avons deux éléments clés là dans la vie d'Abraham. And in other words, we see two examples, two symbols that are very clear in Abraham's life. Nous avons Abraham aller en guerre contre les rois, il sorti victorieux. We saw that Abraham went to war against a king and he came out victorious. Et puis nous avons que Abraham a été béni par Melchisedek. And we saw that Abraham was blessed by Melchizedek. La victoire dans la lutte, dans sa course de la foi. Victory comes from faith. Parce que Abraham n'a pas gagné victoire là de par lui-même. Because Abraham's victory wasn't sourced by himself. Et Melchizedek rappelait ça, il dit, le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. And Melchizedek, he emphasizes this by saying, blessed be the God Most High who has delivered your enemies into your hand. Ça veut dire que dans la course chrétienne, dans c'est ça n'a pas prendre de Abraham, parce que Abraham, il est le père de la foi. So throughout the Christian study of the Bible, we learn this a lot, that Abraham is the father of faith. Et comme papa la foi, l'a apprendre qu'on est bon Dieu tout. And as the father of faith, he is also experiencing and learning about God. Nous songe que nous te montre que Abraham son nèg qui était sorti dans pays idole, il pas connait bon Dieu. And you remember we told this story of Abraham's origins. He came from a country where they served idols. He did not know the Most High God. Il sorti dans Ur en Mésopotamie.
He came from Ur, from Mesopotamia. Ça veut dire que là pas prendre connait bon Dieu. So he's still learning who God is. C'est ça que fait nous ouais côté quelquefois Abraham tombé. And that's why we see a few places where Abraham he slips and falls in his faith. Mais quelquefois tout lui camper, là pas adorer, lui même adorer en battant. But there's other times that he stands strong in his faith and he worships, and he's even worshiping under the tent he was sleeping in. Li face à situation même gens à nous-mêmes. Face to face with difficult situations, the same way we are face to face with difficult situations. C'est ça fait que nous capable apprendre de la vie Abraham. And this is how we can learn from Abraham's life. Et aujourd'hui, qu'est-ce spécialement nous ca apprendre de la vie de Abraham? But today, what especially can we learn from Abraham's life? Dans deux épisodes ça yo, nous voyons Abraham sorti victorieux. In these two battles, we see Abraham leaves with the victory. Dans deuxième épisode là, nous voyons que Melchizedek bénit Abraham. And on the second episode, we see Melchizedek, he blessed Abraham. Égal aujourd'hui, nous pour centraliser nous pour porter focus nous sur qui réaction Abraham après victoire. So now we're going to focus on what was Abraham's reaction after he got into victory. Qui réaction Abraham après bénédiction? What was Abraham's reaction after he was blessed? Et là nous ouais, réaction Abraham après victoire. And when we pay attention to his reaction after victory, grâce à bon Dieu, grace be to God. Et là nous ouais, réaction Abraham après bénédiction. And when we see Abraham's reaction after he was blessed, même Jean Abraham fait, nous ca apprendre pour nous faire tout. The same way Abraham reacted, we can learn to react the same way also. Et ça fait que nous elle Abraham papa la foi. And that's why we call Abraham the father of faith. Parce que n'a marché sous trace li. Because we are walking the same path that he walked. N'a pas apprendre de lui. We are learning from his life. La Bible dit nous dans verset 20. The Bible tells us in verse 20. Le Abraham fin sorti victorieux. When Abraham had gotten the victory, when he got out of the battle and he had the blessing, la Bible dit nous Abraham bay à Melchizedek la dîme de tout. And the Bible tells us that Abraham gave Melchizedek a tithe of all. Et ça fait matin, hein, nous pral parler de dîme. And that's why this morning we're going to speak about tithing. Souvent, il y a mon qui dit ça que ah, mais l'église ça a parlé de l'argent matin. Surely people will be paying attention and saying, okay, the church is going to speak about money this morning. Nous pas facilement parler de l'argent ici là. Over here in this church, we don't usually talk about money. Cependant, l'église besoin l'argent. While the church does need money to function. C'est ça qui est important pour nous parler de ça. And that's why it's important for us to speak about this. Parce que nous devons parler de dîme, de offrande. Because we should talk about tithings and offerings. Nous devons parler de qui ça dîme. We should talk about what tithing is. Qui ça moun pense de dîme. What people think about tithing. Et pour qui ça mais nous devons bay. And why should we give? Pour comment nous devons bay. How should we give? Et qui côté nous devons bay. And where we should give. Et combien nous devons bay. And how much we should give. Égal souligner ça matin. So underline this morning. N'a parlé de dîme. We're speaking of tithing. And we're going to look here how we should give tithes. Why we should give tithes. Where we should give tithes. And how much we should give for our tithing. It's important for us to notice this morning. There are some people that might say, well, offering tithings is not in the New Testament. Même pas ouais aucun côté tout nan Nouveau Testament côté yo dit pas bay dim tout. But I also don't see anywhere in the New Testament where it tells you not to give. M'a reprendre vous. And I'll answer for you. Tout ça nan Ancien Testament. Everything in the Old Testament? Yo dit nous pinga fait nan Nouveau Testament? That they tell us not to do in the New Testament? Yo dit nous ça. They tell us this. Par exemple. For example. Yo dit nous pas besoin faire sacrifice tout et bête. They tell us that we no longer need to sacrifice animals. Parce que Christ mourit pour nous une fois pour toutes. Because Christ was the perfect sacrifice for all. Mais si nous dim pas dans le Nouveau Testament. But if you tell me it's not in the New Testament. M'a demandé qui côté où est yo effacé dim yo dit pas bail pour bon Dieu dans le Nouveau Testament. I want to ask you, where do you see that they tell you not to give? Égal sous montrer me verset ça. So if you show me this verse, bon m'a prend le risque pour m'ba ou $1,000 matin. I'll take this bet and I'll say if you can show me this verse, I'll give you $1,000,000. M'a dit un bagage matin. I'll tell you something this morning. Qui ça dîme? What is that? Et dîme c'est le dixième de nos revenus
que yo te montré peuple là pour te bail dans Ancien Testament. Tithing, as referred to in the Old Testament, is 10% of your earnings, and you give it in when you go worship the Lord. Nous capable garder ça avec l'ouvre Bible dans Lévitique 27. And when we open our Bibles together in Leviticus 27, le verset 30 à 33. Verse 30 to 33. An nou gade pou nou sa. Let's pay attention to this passage very carefully. Wè sa li di ke nan verset 30 à 33. In verses 30 and 33. Li di nou tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui est? À l'Éternel. C'est une chose qui ça? Consacré à l'Éternel. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Whoever would redeem any of their tithe must add a fifth of the value to it. Do you want to know what this means? L'argent l'église doit rester l'argent l'église. What you should give to the church to stay, what you should give to the church. Parce que yo te pote dîme là bay. By sacrificateur yo. Because they used to bring their tithings to the sacrifices. Et nan maison levit yo. In the Levites place. Et yo di que petit Israël yo doit faire ça parce que li son bagage qui doit consacrer à l'Éternel. And it says to us that the children of Israel should do this because there should be a tithing that is consecrated to the Lord. And I'll tell you something this morning, brothers and sisters. I want this to be very clear for us. The money that belongs to the church, it cannot be dealt with the same way that businesses take care of their money. I'll say it again. The money that belongs to the church cannot be dealt with the same way businesses deal with their money. L'argent business, the money that belongs to a business, it can be consecrated and set apart for a group of businessmen. Mais l'argent l'église, but the money that belongs to the church, li consacré à l'Éternel pour le travail de Dieu. It's consecrated to the Lord for the work of God. M'a dit deuxième vérité matin. And I'll give you a second truth this morning. L'argent l'église, the money that belongs to the church, li pas doit consacré pour enrichir yon moun dans l'église. It should not be set apart to enrich anyone's life in the church. Li pas doit consacré pour li enrichir un groupe serviteur dans l'église. It should not be set apart to enrich a group of servants in the church. Je nous wè la fête dans plusieurs églises. The same way we see this happening in other churches. M'a repren pour ou même. And I'll repeat this again for you. Sou wè non l'église. If you see you're in a church, l'argent l'église là, the money of the church, c'est un seul groupe moun kap enrichi la dan. It's only one group of people that is profiting from this. Ou bien c'est un pasteur kap enrichi la dan. Or a pastor is using it to benefit himself. L'argent pas consacré à bon Dieu. The money is not consecrated for God. M'a repren pour ou même. And I'll respond again for you. L'argent l'église, the money that belongs to the church, doit consacré à l'Éternel, should be consecrated to God, pour le travail de Dieu, for the work of God. Et ça fait, lui dit ça même. And that's why it says this. Lui dit que la dîme a servi à la nourriture des Lévites. It says that the tithes will be used for the nourishment of the Levites. Je dis à nous pas gagner Lévites. Today we don't have Levites. Mais l'église doit prendre soin des serviteurs de Dieu. But the church should take care of the servants of God. I want this to be very clear. The money that belongs to the church, it shouldn't enrich any one person in the church. But the money of the church should be in use for the servants of God and the people of God. Let me look at another passage. Deuteronomy chapter 12, verses 10 à 18. Deuteronomy chapter 12, verses 10 to 18. On nous garde bien pour eux. Let's pay attention to this. 12, verset 10 à 18. Deuteronomy 12, verses 10 to 18. Il dit, mais vous passerez le Jourdain. But you will cross the Jordan. Et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. And settle in the land the Lord your God has given you as an inheritance. Soulignez ça. Il vous donnera du repos après vous avoir qui ça? Après vous avoir qui ça? Délivré de tous vos ennemis. And pay attention to this and underline it. He will give you rest from all your enemies around you. Qui vous entoure?
around you. Et vous établirez en sécurité. So that you will live in safety. Même Jean avec Abraham. The same way as Abraham. Après bon Dieu fin bon victoire. After God finishes giving you the victory. Bon Dieu racheté ou. God finishes saving you. Et bien après bon Dieu béni ou. After God finishes giving you a blessing. Ou doit faire même Jean Abraham. You should do the same way as Abraham. Ou bail dîme avec offrande ou. Give your tithes and your offerings. Matin ou moun ken wa di oh mais frère qui a parlé de ça fait l'argent. And someone could say Reverend Gree is speaking about money today. Mon cher, mandé tout moun l'église là. You can ask anyone in the church that knows tout me. Moun kap servi l'église là. Anyone that's serving the church. Yo bay dim yo nan l'église là. They give their tithes to the church. A commencer par Pastor Morton. Starting with Pastor Morton. Moun kon gade bien. I pay attention. Li se youn nan moun ki bay plus. He is one of the people that might give more. Mbap di ou kon. I'm not going to tell you how much he gives. Parce que m'pa gen droit faire ça. Because I don't have the right to do this. Mais li se youn nan moun ki bay pi plus. But he's one of the people that gives more. Mwen wè frère Polema bay. I see brother Polema gives. Mwen wè frère Joe bay. I see brother Joe gives. Mwen wè frère Dolus bay. I see brother Dolus. Mwen wè frère Joe for bay. I see brother Jeff. Mwen wè servant yo babra tout moun ki nan comité o mwen yo bay. I see all the servants in the committee they give. Mwen sœur Roberta bay. I see sister Roberta she gives. Parce que l'argent l'église. Because the money that belongs to the church. Li doit consacré à affaire l'église. It should be consecrated to what the church is doing. Si on pas cité non. If you see I don't say your name. C'est parce que m'pa vle fon liste non. That means that I don't want to continue with this Mais list. Mais tout moun ki bayo. But everyone that gives. On a regardé liste non. I pay attention. L'autre jour gon bien aimé soeur qui relim. The other day there was a beloved sister that called me. Mwen gen l'el pa ka joine men li voye voice sur téléphone mwen. She couldn't get a hold of me. I was busy so she sent a voicemail to my phone. She said, Brother Guy, I'm not going to talk a lot. You know I'm retired. They send me $400 only. But you know I have to send something to Haiti. But I can't give the church. I'll give the church. But while I give my church, I want to give this church also. And since I know that you can't come get it because you live in Long Island, I gave Pastor Claude. I said, my sister, I sent her a message. You gave more than a lot of people. Parce que c'est pas ça ou pas besoin ou bay bon Dieu. Because it's not what you don't need that you gave to God. C'est notre petit ça ou gagne. It's in the little bit that you had that you chose to give God. I don't need to tell you her name. But I'll tell you something. Bon Dieu tellement connaît. The Lord knows so well. L'église besoin l'argent. That the church needs money. L'église, bon Dieu même créé dîme pour les pauvres. He started something that is called tithing for the poor. Dans Deutéronome chapitre 14. In Deuteronomy chapter 14. Bon Dieu institué même dîme pour qu'à prendre soin pauvres. The Lord institutes a tithing so that they would take care of the poor. Dans verset 28 et 29. In verse 28 and 29. Gardez bien pour eux. Look at this. Il dit, tu ne délaisseras point le lévite. Ça veut dire le prêtre ou bien Jodian a dit le pasteur. So that the Levites have no allotment. Qui sera dans tes portes. Or insurance of, or inheritance of their own. Parce que li pagne pas ni héritage avec toi. Because there is no inheritance of their own. Et puis verset 28 là. And verse 28 says. Au bout de 3 ans. At the end of 3 years. Tu sortiras toute la dîme de tes produits. Bring all the tithes of that year's produce. Pendant la troisième année. During the third year. Et tu la déposeras dans tes portes. And store it in your towns. Verset 29. Verse 29. Alors viendra le lévite. So that the Levites. Ça veut dire prêtre là ou bien pasteur. That means so that the pastors or the priests qui n'a ni pas ni héritage avec toi, who have no allotment or inheritance of their own. L'étranger. The foreigners. Ça veut dire moun ki dehors, people who are from outside. Moun ki pas converti, people who are not saved. Moun ki pas kon bon Dieu, the Gentiles who do not moun know God. Ki pas fait peuple bon Dieu, people who are not part of the people. L'argent l'église, the church, the money of the church. Tout. It should serve them also. Ah, m'a reprendre ça pour. And I'll say this again. C'est pas sans raison. It's not without reason. Ki faut ou konwe depuis 150 ou konwe moun kon a passé rentrer l'église là. It's not for any reason that you saw even when we were back on 157. Depuis yo di nou yo grand goût. As soon as they'll tell us they're hungry. Mande frère Polema pou eux. You can ask brother Polema. Nou bayo un petit cob kembe nan men yo. We'll give them a little bit of money to hold in their hands. Parce que c'est ça l'argent l'église doit faire. Because that is what the church should do with the money. L'orphelin. L'orphelin orphan. Offerings. Et moun ki veuve.
and people who are qui seront poor, dans tes portes that come to your doors. Parce que bon Dieu pas voulu la caille manquer provision. Because the Lord doesn't want his house to be unable to provide for these orphans and these widows. The Lord does not want the church to be unable to provide for those in need. And I will say this again for you. The Lord does not want his house to be missing any provisions for these people. Mes amis, beloved, moun kap etudye la Bible, people who are studying the Bible, yo, le ap fe etude sou dim, when they're studying tithings, yo di, se pa 10% selman non pep la bay. They say it's not only 10% that the people have given. Le yo e dim pou ouvriye l'eglise yo. When it's tithing for the missionaries. Lot dim, etc. Other tithings. Yo we, yo calcule, yo we, moun yo te dwe bay 23% de revenu. We saw that the people should give 23% of their revenue. Sa vle di, this means when you're counting your money with God minimum la, on the minimum, it's not my fault. C'est 10% rendim. It's 10% that they ask me for. Et 10%. It's 10%. Bon Dieu pas compter avant. The Lord doesn't count with you. Abraham joint victoire. Abraham got the victory. Li béni. He was blessed. Et puis la Bible dit li bay dim. He gave his tithing. Li pa bay dim peut-être 10% non? He didn't get the minimum amount required. Read the verse again. Genèse chapitre 14. Genesis 14. Gardez bien pour nan verset 20. Look at this carefully to see in verse 20. Li bay ki sa? It says la dim ki sa? La dim ki sa? Ah, verset sa dup yo li. He gave them the tithe of all. Of all. La dim de tout. The tithe of all. Parce que le connaît. Because he knew. Li béni. He was blessed. Le bon Dieu béni ou. When the Lord blesses you, eh bien, ou doué baye pour bon Dieu. You should give to God. C'est ça fait matin. And that's why this morning. Nous finouè qui sac dimye. We already know what tithing is. Nous ka di, pour qui ça mais nous doué baye. We can say why we should give. Nous ka jwenn trois raisons qui fait nous doué baye. We can find three reasons. Première raison. The first reason. Parce que nous devons reconnaissant envers bon Dieu. We need to be grateful. Le bon Dieu béni nous. Le bon Dieu béni nous. When the Lord blesses us. Ou doué baye. You should give. M'pa konn nan ki mesure bon Dieu béni ou. I don't know in what measure God has blessed you. Mais mesure bon Dieu béni ou nan ou doué baye nan mesure ça. But the measure that God has blessed you, you should give in this measure. Ou doué baye. You should give. Deuxième raison. The second reason. Pour montrer que bon Dieu ou remèl. To show God that you love him. L'autre jour m'ta fè méditation. The other day I was meditating on the word. Sou ling la. On the line. Et puis nous t'a regardé Psaume 37. And we were looking at Psalm 37. Un passage en pile chrétien aimé. It's a passage that a lot of Christians love. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. It says, count with the Lord a list. Et puis, il te donnera ce que ton cœur désire. And he will give you what your heart desires. M'ta cherché même pour moi ça, ça veut dire, fais de l'Éternel tes délices. And I went and I wanted to see what this means, bless the Lord. Li pa vle di. This doesn't mean. I'll give this in a Haitian language. Turn the Lord into a toothpick. When you need him. And that's when you're looking for him to deliver you. This means you put God on a bench. You're paying attention to your own stuff. Toutes les affaires ap marché bien. While things are going well for you. Ou pas emmerdel nou. You don't bother God. Mais jou ba la colle. But the day you come into an obstacle. Ou tourne côté. You turn back to him. C'est pas ça ça veut dire faire de l'Éternel tes délices. This isn't what this means. Faire de l'Éternel tes délices. Ça veut dire ou prend plaisir dans bon Dieu. This means you take pleasure in God. Et dans chaque minute dans la vie. Every minute, every second of your life. Et puis laisse ça. And then, bon Dieu a béni nous tout. The Lord will give you the desires of ou your heart. Pour bon Dieu. You give to God. Parce que bon Dieu font promesse. Because God made a promise. Nous regarder dans livre Malachi que nous gagne pour nous étudier semaine ça. Let's look at the book of Malachi, which we will continue studying this week. Nous regarder dans Malachi chapitre 3. Let's look at Malachi chapter 3. Dans verset 10 là. In verse 10. Nous regarder pour nous ça le dit. Let's see what it says. Malachi chapitre 3 verset 10. Malachi chapter 3 verse 10. Nous regarder bien. Let's look well. Li, dis-nous que. It says. Qui ça le dit-nous? What does it say? Apportez à la maison du trésor. Bring the whole tithe into the store. Toutes les dîmes.
The whole tithe. Ah, mbase l'dap di un dixième. And I thought that maybe it would say 10%. Parce que t'es gen plusieurs dîmes. Because there were multiple tithes. Parce que l'argent qu'a rentré l'église là. Because the money that is coming into the church. Il doit consacrer pour travail l'église. It should be consecrated for the work of the Lord. Est-ce que vous entendez bien ça m'a dit là? Do you hear well what I'm saying? Ou comme ça un prédicateur dit? You want to know what a preacher had said? Il dit comme ça, il parle mais les ont besoin pour le fond travail pour bon Dieu. He doesn't like when he has a need to do work for God. Et puis il ba un exemple. And he says, he gives an example. Il dit comme ça que tant qu'on les n'a voyé manger ba ti moun Haïti ou bien l'école payer l'école ti moun Haïti, il dit on a il pas même mandé. And he said, as like when we're sending clothes or money to send kids to school in Haiti, he doesn't like asking. He said the reason he doesn't like asking. Parce que il dit l'église en doit gain capacité pour faire ça. He says the church should have the capacity and the means to do this. Si tout le monde te connaît gens pour bailler. If everyone knew how to give. Puis on te porter dans maison bon Dieu. What to bring into the home of the Lord? Yo pas ta besoin mandé moun yo encore un petit cob sous côté pour y a dit moun bon nous va le faire mission. Nous besoin porter rad, nous besoin porter soulier. There will be no need for the church to ask whenever they want to be doing something. Aidem porter quelque bagaille aidem pour moi faire ça. Bring a few things and help us do this. Il dit il pas croire que ça son bon bagaille. He says that he doesn't believe that this is a good thing. Il dit ou kon pour qui ça? And you want to know why? Il dit c'est pas bon Dieu ça la Bible enseigne nous. This is not the God that the Bible has showed us. Il dit que bon Dieu n'a pas servi. The Lord that we serve? C'est bon Dieu que la Bible dit li plus que assez. This is the God that the Bible tells us is more than enough for us. Et nous chanter li. And we sing it. Nous nous reconnaît là si bon Dieu plus que assez. We should know that if God is more than enough. La caille bon Dieu doit gain moyen pour subvenir aux besoins des autres. The house of the Lord should have the means to come forth with the needs of the people. Nous connaît. We know. Nous chanter. We sing. Nous apprendre de Abraham. We learn about Abraham. Bon Dieu c'est pourvoyeur. The Lord is a provider. Si bon Dieu c'est pourvoyeur. If he provides. Nous pas qu'à demander moun aider. C'est comme si travail là c'est travail frère Guy ou bien travail frère Marans, frère Manska. Il a dit aidez nos mes amis. We shouldn't ask for people to help us because the work isn't ours to do. Il dit travail là c'est travail bon Dieu. The work is for God to do. Parce que bon Dieu dit. Because God says. Dans Matthieu chapitre 6. In Matthew chapter 6. On nous garde passer ça avec. Let's look well. Dans verset 38. On nous garde le vite. Luc chapitre 6. In Luke chapter 6. Dans verset 38. Verse 38. Luc chapitre 6. Luke chapter 6. Verset 38. Verse 38. Les dit donnez. Give. Et il vous sera donné. And it will be given to you. When you give, it will come back to you. On versera dans votre sein. Luc chapitre 6. A good measure. Yeah, on versera dans votre sein. A good measure. Une bonne mesure. Press down. Serré. Press down. Secoué. Shaken together. Et qui déborde. And running over. Car will be poured. On vous mesurera. Will be poured avec la mesure into your lap for with the measure. Vous serez servi. For with the measure you use, it will be measured to you. Un bon créole. In the good creole. Moun ki bay en pile. People who give a lot. Lò nan problème. When you're in problems. Bon Dieu ouvre en pile porte pour. The Lord will open a lot of doors for you. M'a reprenne pour. And I'll say it again. Moun ki bay en pile. Those who give a lot. Lò nan problème. When you're in problems. M'pa konn kote délivrance ou a passé. I don't know where your deliverance will come bon from. Bon Dieu ouvre en pile porte pour. But the Lord will open a lot. Parce que la Bible dit nous. Because the Bible tells us. Bon Dieu c'est bon Dieu qui gagne tout bagage sous la terre. The Lord is the Lord who owns everything on earth. Et la Bible enseigne nous que. And the Bible teaches us that. Dans Philippiens 4 verset 19. In Philippians 4 verses 19. Bon Dieu capable subvenir à besoin nous. The Lord can come forth and provide for our needs. Et je nous tape garder dans Malachi chapitre 3. In the same way we were looking at Malachi chapter 3. Dans verset 10 là. In verse 10. Il dit l'opoté dans caille bon Dieu. When you bring forth to the house of the Lord. Et dans la maison du trésor toutes les dîmes. In the house of the Lord, all of your offerings. Il dit parce que doit gagner nourriture dans la maison du Seigneur. There should be nourishment within the house of the Lord. Et la Bible dit nous. And the Bible tells us. Laisse ça. This time. L'Éternel fait une promesse. The Lord made a promise. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. He says put me in these things. Dit l'Éternel des armées.
Say to the Lord of armies. Et vous verrez. Malachi 3, verset 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Test me in this. Et vous verrez. And see if I, it says si, the Lord. Si je n'ouvre pas pour vous. If I will not throw open the floodgates les of heaven. Les écluses des cieux. The floodgates of heaven. Si je ne répands pas sur vous. And pour out. La bénédiction en abondance. So much blessing that there will be not enough room to store it. Bon, ou doué bay. You should give. Parce que bon Dieu fait promesse ça. Because the Lord made this promise. La pour ouvrir porte pour même. He will open these doors to you. Qui j'en doué bay. How should we give? C'est vrai, Nouveau Testament pas tellement parlé de dîme. It's right, the New Testament doesn't speak about tithing too much. Mais li pa jam monte nou kote yaboli dîme. Li pa jam monte nou kote yo aboli dîme. But it doesn't say anywhere where they abolish this. Mais épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, deuxième Corinthiens. But the epistle of Paul, 2 Corinthians. Chapitre 8 et chapitre 9 là. Chapter 8. In chapter 9. Li montre nous ki jan nou dwe bay. It shows us how we should give. Nou dwe bay avec tout cœur nou. We should give with all our hearts. Et parce que nou dwe bay pou bon Dieu. Because we should give for God. Pi go ou di kon sa ke si m'te genye nan loto a. Don't say if I ever won the lottery. Mwen ta bay l'église a achete un pi go building. I would give the money to the church to buy a bigger building. Eh bien ou pa jam genye nan loto a. So you'll never win the lottery. Parce que bon Dieu pas besoin comme loto à nous. Because the Lord doesn't want the lottery money. Bon He Dieu, doesn't need the lottery money. Bon Dieu besoin ou bay. He wants you to give. En fonction de bénédiction le ba ou. According to the blessings which He gave out to Et you. Et c'est ça que fait. And that's why. Dans verset 12 dans 2 Corinthiens 8 verset 12 dans. In 2 Corinthians 8 verses 12. Il dit bonne volonté. The goodwill. Existe. Is as long as it exists. Et puis il est agréable tout devant bon Dieu. And it's acceptable to the Lord. En raison de ça, il n'a pas gagné dans le mille, non? Not in accordance to what he doesn't have. Mais en raison de ça, il gagne dans le mille. But in accordance to what the person does have. Comment on doit bail? How we should give? Suivant que. We should give with all our hearts. Qui koto doit bail? Where we should give? Qui koto doit bail? Where we should give? Mes amis, c'est plus gros problème l'église a confronté. This is the biggest problem that the church confronts. L'église où est côté qu'a prêché le message de l'évangile. The places where you see they're preaching this gospel. Y a souffri. They're suffering. Parce que moun prend kòb bon Dieu. Because people take the money of God. Après que bon Dieu fin bénir yo. After God finishes blessing them. Yo pote l'autre côté. They bring it to other places. Ou dwe commence bay nan l'église locale la même. You should start your giving and your tithing and offering in the local church. Mwen pa fè tripotay. I'm not going to do any gossip. I'm not going to cite any names. Mais mwen konnen frè et sœur nan l'église baptiste de la communauté haïtienne de Bronx. But I know some people in this church. Ki kite l'église nan. That leave the church. Yo pren yo achete un ticket avion. They bought a plane ticket. Yo paye avion. They pay for the plane. Yo monte avion. They go on the plane. Tan kou pastor Moton ta di. And it's like pastor says. Yo brave oui. They're brave. Et puis yo pote kòb bénédiction mon Dieu. And they bring the money that was give that's supposed to be blessing. Bay un lot l'église. To give to another church. Kou ya ou ta di m sa pa mal. And now you'll tell me this isn't a bad thing. Mais en pile fois. But a lot of times. L'église ça. This church. Mwen se pastor ya grand nèg. We see that it's the pastor that's the big man here. Moi-même. Me. M'appelé pour me prêcher la vérité. I preach the truth. C'est pas faute moi. It's not my fault. M'a dit nous sac la vérité. And I'll give you the truth. Et ça fait la Bible dit nous pas abandonner assemblée nous. The Bible tells us do not abandon your church. Hébreux 10 verset 25. Hebrews 10 verses 25. Là la Bible dit pas abandonner assemblée là. When the Bible tells you not to abandon the assembly. Li pa veut dire simplement puis qu'on vin dim que l'on pote dim là à Florida ou bien Boston ou bien l'autre ba et puis ou pral dim comme ça. Oh non, toujours l'église là oui. The Bible doesn't mean you go somewhere else and then you say, well, I'm still a part of this church. Yeah. Et puis ou pas abandonner the church. And you don't abandon the church. Bamdou. Let me tell you clearly. Where boy is it? You see here? Mais Sœur Rosemary là. Here's Sister Rosemary. Qui te mano avec Sœur Rosemary sortil qui te timounio na kaila. Let Brother Mano and Sister Rosemary leave and leave their children here. Et puis comme Aisha pi grand Aisha sorti tout. And as Aisha the elder, she would leave too. Et puis qui te Emalisha. And she would leave Emalisha. Li qui te Tywin. Tyron.
likite Terry and Terry andakala inside here inside the house. You'll see what the state will do to them. Yap arrete yo, they will arrest them pour child pour négliger timoun, for child neglection. Yap arrete yo, they will arrest them parce que y'a abandonné timoun yo, because they abandoned the children. Kun ya yo pral di le et juge là, and they will say to the judge, oh mba abandonné timoun yo. I didn't abandon the children. C'est moi prends soin yo. It's me who takes care of them. Wap kon juge. You'll see what happens. Y'a pas arrêté ou? They'll arrest them parce que wap abandonné timoun yo, because you abandon the children. Eh bien, ou prend cob qui consacré à l'église bon Dieu. So if you take the money that's consecrated to the Lord, sir, c'est là où di wap servi bon Dieu. Here is where you say you serve God. C'est là ou n'importe son besoin l'église doué ou. This is where if you have any need, the church will help you. Moi ça montre ça là, oui. I just showed you this. Lo bay pour bon Dieu nan temps bon Dieu. L'église doué oui. When you give to the church of God, where you give, the church will. Lo gen problème. When you have problems, l'église en doué entouré ou nan problème ou yo. The church will surround you and help you in your troubles. L'apôtre Jacques dit, c'est pas seulement la prière, non? The apostle James tells us it's not only prayer. L'église doit aider financièrement. The church should help you financially. Parce que ou mêlé, because you are involved. L'église doit entourer ou. The church should surround you and help you. Mais qui je pour l'église faire entourer ou? But how can the church help you? Sou pa porter la caille bon Dieu. If you don't bring to the church toutes les dîmes, all your tithes. Qui côté doit bay? Where you should give? Dans l'église bon Dieu. In the church of the Lord. Pour toi servir. Where you're serving. Pour pas abandonner l'église là. So that you don't abandon the church. Combien on doit bay? How much should you give? Pour nous finir. For us to end. Matin nous ka di woy frère qui prêche long matin. This morning you might say, brother Guy preached for a long time. Bagay l'argent gen le fait mal. This money problem probably gives him a lot of trouble. Il pas fait mal. It doesn't give me a lot of trouble. Même préfère instruire peuple bon Dieu. But I would rather to give the people of God instruction. 2 Corinthians chapitre 9. 2 Corinthians chapter 9, verses 6, verse 6, à 9, to 9, à 10 même, to 10 even. Mais ça la Bible dit nous. Here's what the Bible tells us. Combien nous bay? How much should you give? Pour m'bral di combien nous bay? I'll tell you how much you should give. Sachez-le. Verse 6. Sachez-le. Mm-hmm. Go ahead. Celui qui sème peu. Qui ça le dit? Non, celui qui sème peu, ça le dit. Celui qui sème qui ça? Abondamment moissonnera. And it says, remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. En bon créole. In the good créole. Ou bien tikal. You give a little bit. C'est ce que tu sèmes. That's what you poured out. Ou après recevoir tikal. And you'll get a little bit. Moi me parle avec nous dans langage haïtien même. I like talk to you guys in the Creole Haitian language. Ou bay en pile? You give a lot? Et bien wap jwenn en pile. And you'll get a lot. Et pas sort ou sort. It's not dumb that you're dumb. Et pas égaré ou égaré. You're not slow. Verset 7. Verse 7. Qui jwenn doit bay? How you should give? Que chacun donne. Each of you. Comme il l'a. Qui ça? Résolu en son cœur. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Sans tristesse. Not reluctantly. Et pas forcer, min forcer personne moun la pou bay. I'm not forcing anyone here to give anything. Pour qui ça? Why? Parce que bon Dieu reme. Because the Lord loves. Moun ki bay a cœur content. People who give with a joyful heart. Verset 8. Verse 8. Et bon Dieu lui-même. And God himself. La comble ou a qui ça? Li se bon Dieu ki? Qui ça? Li ka comble ou avec qui ça? Avec toute grâce. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need. Afin que, so that bon Dieu lui-même, God himself, comme lui son bon Dieu toujours gagne, as he is a God that always has, li ka edo pou satisfaire a besoin yo. He can satisfy your needs. And now when you're in problems and you can't solve these problems, you see why? Ou priye matin, midi, soir. You pray in the morning, you pray in the night. The problem cannot be resolved. Because it's a problem inside. Because it's a problem that demands money. But how did you give to God? How did you give to God? What did you sow for God? Did you sow a lot? So God will give you a little bit. Because you're measuring God.
10%. When you measure God within the 10%. Et verset a dit nous. So the verse tells us. Vous ayez encore en abondance. God is able to bless you abundantly. So that in all times. Verset 9 là. Verse 9. Il dit nous selon qu'il est écrit. As it is written. Bon Dieu fait des largesses. The Lord has given these blessings. Li bay moun ki pa gen. He freely scattered. Parce que justice subsiste pour toujours. Because their righteousness endures forever. Verset 10. Verse 10. Moun ki founi de la semence au semeur. Now he who supplies seed to the sower. Et du pain pour sa nourriture. And bread for food. Vous fournira. Will also. Et vous multipliera. Supply and increase. La semence. Your store of seed. Et puis qui ça le dit nous pour nous finir? And what does it say for us to end? Et il augmentera les fruits de votre. And will enlarge the harvest of your righteousness. Frères et sœurs. Brothers and sisters. M'gal dou magay. I'll tell you something this morning. De expérience pam dans la vie pam. Personal experience that I've had in my life. Et m'pense que c'est ton péché le. And I felt like this was a sin. Parce que m'pas dû faire ça. Because I should not have done this. Regardez ces derniers mois là. Ces derniers mois là. It was recently. Moi aussi accepté que je consacre mon pasteur. I just recently accepted that they had consecrated me as a pastor. Depuis longtemps l'aime à Haïti. Even way back when I was in Haiti. Pasteur Victor voulait consacrer mon pasteur. Pasteur Victor wanted to consecrate me a pastor. When I looked at the state the church was in, how people gave, because I was always in the committee. I said to the pastor, no, I don't want to be a pastor. For me to be a pastor, God has to open doors for me first. For me to start working and have my own money. I don't want the money of people from the church. Because the people from the church don't want to pay me. Then I was serving God. And God looked at me. He looked at me. He saw that this was an egoistic word. Because he himself, he has a way that he takes care of the church. There's a way he takes care of his people. Do you want to be blessed this morning? Do you want to be blessed this morning? The rock that is blocking your path. Do you want to know why it blocks your path? You see why the floodgates of heaven cannot open up for you? Because you don't give the way you should. I hope. Que bon Dieu a aidé chacun de nous. That the Lord will help each of us. Ni moi ni vous. Even you. Pour nous bailler pour bon Dieu. For us to give to the Lord. How we should give. Comme ça j'en apprends de Abraham. In the same way where we learn from Abraham. Parce que bon Dieu ba nous en pile victoire. Because the Lord gave us a lot of victories. Et bon Dieu bénit nous en pile. And the Lord blessed us a lot. Que bon Dieu bénit. May the Lord God bless you. Amen. 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 Nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous camper, frères et sœurs, nous capables de terminer. Après le message de la parole de Dieu, nous espérons tout le monde jeune parti par eux. Le message là, nous sommes capables d'approcher bon Dieu plus près et servir plus bien. Le message là, il est là, non seulement pour l'édification, mais il est là pour corriger nous tous. C'est la parole de Dieu pour l'instruire nous. Pour nous pas attendre pour attendre mais à nous appliquer ça message ça la parole de Dieu dit nous capable de servir puis bien à la au grand Seigneur à la au grand
On nous prie Seigneur pour fidélité li, amour li, compassion li envers nous et pour yon parole que nous sommes tant des paroles li qui est capable aider nous et comprendre ni plus et bénir plus. On nous prie. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Papa chéri nous qui est dans le ciel là. Nous bénis et exaltons nous Seigneur pour le moment ça que nous t'ai passé éternel dans présence et avec frère nous qui dans temple et ça qui dans lien dans éternel et ça qui dans YouTube. Nous magnifier et exalter nous parce que ou bon, parce que ou digne, parce que ou merveilleux. Et même Jean chance dit m'a dit merci, oui Seigneur n'a dit merci. Oui, n'a bon gloire et louange. Merci Seigneur pour parole ça que nous sommes tant d'éternel. Nous demandons Père Saint ou va ouvrir cœur nous, ou va éternel ouvrir compréhension nous afin que pour nous comprendre parole ça Seigneur et parole là éternel mon Dieu qui va aider nous bénir et comprendre nous Seigneur. Pas gagne nous une la pas ta rime béni spirituellement, économiquement cher Seigneur, nous tout qui là nous ta rime ça. Mais n'a demandons papa souple dans grâce. Souple dans compassion, aidez-nous à comprendre parole et à pratiquer dans la vie. Adorable Père, dans bon ton amour, nous demandons, on va accompagner chacun de nous, éternel qui est là. Et que éternel grâce et que bénédiction, ça, éternel mon Dieu, capable d'accompagner nous et dans la vie. Nous demandons, éternel Dieu d'amour, dans bon ton, dans fidélité éternelle, on va faire nous passer on Yon rejoune éternel mon Dieu dans présence ou. Yon éternel yon rejoune encore papa et a loué et adoré ou. Et rejoune sa chère Seigneur mon Dieu, nous va passer plus près de ou même et plus loin de péché. Fais nous grâce comme ça Dieu d'amour, fais nous grâce comme ça bon papa et nous compter sur ou, n'adoré ou et n'exalter ou. Nous prions éternel pas parce que nous bon, pas parce que nous dit, mais c'est par grâce et faveur fait nous. Non, petit doux Jésus qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu, que l'amour de Jésus-Christ et sanctification de l'Esprit Saint reste et demeure avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Maranatha. Tout mon être a soif de toi, Seigneur, voilà mon sang.